Salutations spéciales à tous les amis téléspectateurs. Nous avons un pile plaisir de nous entrer la caillou avec ce qui est mes dernières sorties, journal Mitan Journée. Pour ce maintenant, nous sommes tout le monde bienvenus. Commission interministérielle qui est là pour supporter marchands victimes, marchés en feuille, remettre plusieurs chèques 20 000 gouttes par marchand qui te gagne marchandise boulet dans le marché dans la nuit 12 pour l'ouvrir 13 février passé. Dans le cadre de la cérémonie qui te déroulé dans le primati jeudi 22 février, même commission a expliqué qu'il a continué à accompagner marchands victimes pour reprendre l'activité commerciale. Donc, reportage avec Pakisse Kwa et Moïse Wilbridge. Ministère Planification et Coopération Externe annoncé officiellement nouvelle décision yo prend contre Oxfam Grande-Bretagne yon mezi conservatoire côté ONG ça pas autorisé pour fonctionner jusqu'à nouvel ordre en dans pays ya. Dans sens ça, ministre Planification et Coopération Externe là Metaviol Fleurant reproché ONG Oxfam Grande-Bretagne là malgré yo au courant des rapports ça mais pas alerté autorité judiciaire yo. Met à viol fleurant, rappelé ministère a pran tout l'autre mesure pour protéger droits victimes yo, intérêt l'État haïtien en population an, et même ONG ça. Selon avocat Oxfam yo, décision ça c'est une décision qui vini trop vite. Mesi ministère planification en coopération externe prend pour suspendre ONG Oxfam Grande-Bretagne en Haïti a vini à cause abi ak exploitation sexuelle quelques employés ONG a commet dans l'année 2010 et 2011 dans pays a. N'a rectifié vous invitez des spectateurs nous suivre ministère de planification à coopération externe qui annoncé yon mezi conservatoire contre ONG Oxfam Grande-Bretagne mais dit ça pas autorisé ONG ça a fonctionné en dans pays jusqu'à nouvel ordre. Et pour qu'on y a nous pas suivre commission interministérielle là nous j'ai noté annoncé qu'il a pour accompagner marchands victimes marché en fait qui était boulé dans la nuit 12 pour l'ouvrir 13 février passé à commission a promet qu'il a continuer accompagner marchands yo pour capable reprendre activité commerciale. On suit le micro pas qui c'est quoi avec Moïse Wilbridge. Environ 300 policiers qui font partie 28e promotion police nationale d'Haïti pral affecté dans la direction départementale l'Ouest. Participation yo dans séminaire formation ça pral aider yo gen bon jan information sur réalité terrain yon façon pour yo ka travail selon norme institution et puis bay bon jan rendement. Objectif séminaire c'est d'abord pour nous d'accadi encadrer yo dans premier pas que y a fait dans institution et pour nous bailler une bonne impression d'institution comme de monde qui recrute, qui prend formation, alors théorique, mais c'est l'occasion pour nous d'abord bailler une bonne impression de la police nationale, de la direction départementale, et puis au cap qu'on est, et ensemble de droits, de voies, des informations pratiques, qui, en cadre, qui gère la vie, le quotidien du policier, à la fois informations administratives et aussi des informations pratiques, et sous ensemble de problèmes que vous avez gagnés, et qui voient les moyens, vous avez à disposition pour capable utiliser, pour que vous capable vraiment jouer des solutions à des problèmes. L'Ouest, pas même bien tout département. Hein, son département, côté que nous retrouvons toute autorité de l'État au présent, hein, président, premier ministre, nous avons direction générale, l'inspection générale, et c'est là tout nous avons en pile médias. Donc nous avons une surexposition médiatique, et c'est côté tout, côté que, en général, qui fait écho à toute revendication et sociale. Yo. Donc un policier qui est dans l'Ouest, il fait face à un milieu. Et qui pas toujours facile, donc nous t'ai expliqué. Et notamment, nous parlons plus sous relation notamment avec la presse. Dans l'intervention, pour le deuxième jour, séminaire formation ça, Franz Saint-Fort, Jean-Charles, expliquait participants, rôle, mission, acte fonction, inspection générale, police nationale d'Haïti. Inspecteur général là, t'es profité occasion à tout pour fournir quelques conseils by jeunes policiers ça yo. L'inspection générale, comme dans tout pays, c'est l'organe régulateur de la discipline au sein de l'institution policière dans le cas. Et dans le cadre de séminaire ça, que le directeur départemental de l'Ouest a organisé, et à travers nouvelle dynamique que l'inspecteur général en chef là, a mis en place dans l'inspection générale, il était instruit tout un panel dirigé par moi-même, Jean-Charles, pour nous venir accompagner DDO dans le cadre de séminaire d'accueil et d'intégration à ces nouveaux jeunes que DDO se dit nous là.
pour nous venir faire comprendre les rôles, missions et fonctions de l'inspection générale. Pour nous faire comprendre que contrairement à cette ancienne perception qui laissait croire que l'inspection générale c'était un organe exclusivement de répression, pour nous faire comprendre que comme dans tout lycée, dans toute l'école, il faut bon sens aura pour régler discipline, mais dans l'institution panoua, nous avons l'inspection générale là qui régler aspect contrôle et discipline ça. Mais au-delà de l'aspect contrôle et discipline ça, nous gagnons un rôle tout aussi important qui c'est un rôle de conseil et d'encadrement. Et c'est aspect conseil et encadrement ça, surtout, qui mène nous là matin. Wilkins Smoker, qui c'est une parmi policiers 28e an, montrer satisfaction pour l'initiative ça pendant les promettre, les prêts, mettre en application tout ça qu'il apprend. Ce sont des séminaires qui sont vraiment importants pour nous-mêmes, donc partager. Donc, ils ont ensemble d'expériences ensemble avec nous. Et au cours de ce séminaire-là, ils misaient en pile sur éthique et puis valeur et puis sur la police, surtout la police communautaire, donc, qui est extrêmement important pour que le travail que nous gagnons pour nous pouvoir offrir ensemble avec la population, donc, pour nous capables plus efficaces là-dedans. D'après le directeur départemental de l'Ouest, Berson Soljou, séminaire formation ça, c'est un premier pas dans toute une série qui a bien pour faire. Nous sommes suivis un contre-dit de séminaire 300 nouveaux policiers, 28e promotion. Commission Kilti à communication dans le Sénat, rencontré jeudi 22 février, ministre Kilti à communication en Limon Toussaint avec directeur général ministère Jean-Michel Lapin. Organisation Carnaval 2018 là, tenant mi-temps discussion. Président commission, sénateur Gracia Delva, réclamé un rapport détaillé sous gestion 186 millions de gouttes qui était disponible pour organisation Carnaval là. En suivant un extrait dans le micro, Fédéric Confident avec Théodore Danis. La commission a été rencontrée avec le ministre, avec le directeur général, là, qui est le vice-président du comité Carnaval. Là. Nous avons parlé de budget Carnaval, là, de tout ça qui a pris pendant tous trois jours, 11, 12, 13 février. Et je dis là, nous rencontrons avec eux encore pour nous parler de budget Carnaval là, et comment la dépense et surtout l'activité logistique là, qui a pris le monde là, qui a pris le problème de Carnaval. Là, nous disons que le propos est là, vraiment qu'un rapport qui finit, nous avons rencontré ensemble avec eux pour une nation capable de prendre 186 millions de blancs, comment les dépenser, le contrat qui fait avec Zazio, et tout ça, le contrat qui fait avec le monde qui est responsable, et toute discipline qui doit gagner dans le carnaval. En fait, c'est dans ça nous passer. Il y a plusieurs sénateurs qui étaient là, qui posaient plusieurs questions. Et le carnaval, c'est un bagage qui est dans tout le pays, mais pas de discrimination. Lundi, carnaval national, c'est carnaval national. Il faut le faire dans toute commune dans le pays, il faut le faire dans toute cette commune dans le pays. L'autre information dans le journal ça, ministre Kilti à communication en Limon Toussaint promet avant longtemps l'abgain pour remettre commission Kilti Sénat un rapport détaillé sur dépenses 186 millions de gouttes pour carnaval 2018 là. Ministre Toussaint fait connait plus grosse satisfaction c'est arrivé organiser carnaval là sans ministère pas gain aucune dette. Un extrait dans micro Fédéric Confident avec Théodore Danis. Comité a doué fourni by ministère un rapport bien détaillé que nous allons soumettre by président commission pour le transmettre li by chambre sénat. Nous avons parlé de satisfaction parce que peuple là t'a défoulé, c'est un moment de défoulement, d'épanouissement que de défoulé dans la sérénité, dans la paix et pas de gain rivé gain monde qui mouri, zéro mort et puis gros succès carnaval là c'est que des conseils avec représentant finance responsable finance nous te travaillons pour te gon carnaval sans dette. Et nous arrivons à l'objectif premier ça que nous avons fixé tête, donc que l'État haïtien a fixé tête, l'administration Moïse Lafontaine a fixé tête. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de dire nous satisfaits. Nous sommes conscients que il y a certaines erreurs qui arrivent au niveau logistique, que nous avons un rapport et que nous avons pris des mesures pour ça pas arriver, répéter l'année prochaine. L'autre dossier, député circonscription Verrette, Guérin Lomé-Yus,
exprimer des accords sous décision gouvernement prend pour camper programme scolarisation universelle gratis et obligatoire psycho. Selon parlementaire, programme l'an pas parfait, cependant, lui permet en pile timoun à l'école. Yon l'autre bord, député Lomeyu souhaité ministère éducation nationale et formation professionnelle prend toute disposition pour payer tout professeur qui gen lettre nomination dans meyo, sans oublier nommer tout professeur qualifié qui travaille qui pas nommé. Ensuite, extrait dans micro, Fedner Confident avec Théodore Danis. Le gouvernement qui était passé à au programme l'école gratis. Ça que et que le psugo. Maintenant, il y a tout problème, il y a gabot en pile corruption. Mais il faut que nous disions que c'est pas ça que fait nous était obligé camper parce que le gouvernement ça campé programme psugo. Et l'autre campel actuellement, nous avons pile petit monde qui dans des zones reculées qui parlent l'école parce que l'école ça yo par le fait que vous payez subvention, vous êtes obligé de camper et si vous êtes dans la rue. Plusieurs côtés dans le pays, il y a l'école qui est en grève. C'est-à-dire que les professeurs n'ont pas le travail. Et ils sont en grève pour qui ça? Ils sont en grève parce que nous avons un groupe d'enseignants qui ont l'être dans le meilleur depuis plusieurs années, qui n'ont pas jamais touché. Nous avons un groupe d'enseignants qui sont dans la salle de classe depuis plusieurs années, c'est-à-dire qui n'ont pas gagné l'être nomination. Et nous avons un groupe d'enseignants qui ont un programme pour NEC, pour NEI, c'est-à-dire qui parle sur trois ans là, qui n'ont pas jamais touché. Et ministre de l'Éducation nationale, là, avant l'école ouvrir en septembre, il était annoncé que tout professeur qui est en salle de classe a besoin de lettre pour rentrer dans la salle de classe avant l'école là ouvrir. Mais aujourd'hui, nous en février, nous avons fait mois en février. Nous avons sixième mois année scolaire là, ça veut dire que son année scolaire qui est 10 mois, ça veut dire que le professeur n'a pas jamais de lettre dans la main. Ça veut dire que si le ministre n'a pas appris bien, n'a pas demandé ministre, ça veut dire pour le professeur. Toute disposition pour rentrer pour parler avec syndicat, c'est que pour année l'école là, maintenant qu'a fini bien pour année l'école là, pas passer mal. L'autre dossier, commission interministérielle qui l'a pour supporter marchandes victimes du fait marché en fait, remettre plusieurs chèques, 20 000 gouttes par marchand qui te gain marchandise boulé dans marché à dans l'année 12 pour l'ouvrir 13 février passé à membre. Commission 1, dans le cadre de la cérémonie qui était déroulée dans le primati jeudi 22 février, a expliqué qu'il a continué à accompagner marchands de victimes pour reprendre l'activité commerciale. Un reportage par qui c'est quoi avec Moïse Rebrich. Environ 200 marchands bénéficient d'un chèque 20 000 gourdes avec un ticket qui permet de recevoir un kit alimentaire dans la caisse d'assistance sociale. Ces commissions interministérielles chargées pour supporter marchands victimes du fait marché en fait. Qui fait distribution chèque sa yo ak ticket sa yo pendant yo exprimé c'est yon premier assistance yo pote bay machine victime yo ministre commerce ak industrie Pierre Marie Dumeni ak ministre affaires sociales ak travail la Stéphanie Auguste fait connait c'est un geste symbolique yo di y a continuer accompagner machine victime yo en compte journée jodiyan li inscrit l'an objectif pour nous di machine yo que nous avons nous tant décrit yo et n'a pas accompagné dans la mesure du possible. C'est ça que fait, je ne vous dis, suite à la recommandation commission qui est deux phases dans l'intervention, ou phase conjoncturelle et ou phase structurelle. Dans la phase conjoncturelle qui consistait bail marchand ou en location. Nous avons un pile de nous qui portait l'Isbano. Côté pour nous qui permet nous identifier nous c'est à travers de l'ISAO nous regrouper de façon symbolique jodia pour nous prendre 200 marchands nous connaissons pas 200 marchands qui perdu mais gain équipe souterrain toujours équipe ministère commerce équipe ministère conditions féminines équipe affaires sociales qui dans marché là actuellement qui prend doléance l'autre marchand. Ministre Condition Femme avec Droit Femme, Unité Innocent, mandé marchand pour organiser yo pendant l'administration Maurice et gouvernement La Fontaine après mesures nécessaires pour bailler plus encadrement. Président République l'a mette sous pied une commission. Elle te dit rapidement, dans les 8 jours, 8 à 9 jours qui suivent, nous prenons bailler une réponse. Parce que journée aujourd'hui, président République l'a, tout membre gouvernement, nous comprenons douleur marchand yo. Et moi-même, comme ministre Condition Femme et Droit Femme, tout le monde toujours connaît que généralement, machin tap vend dans machin, c'est femme yoye. Et nous connaissons douleur maman petite.
première dame nan li voye gros sympathie bay tout machan yo en général, plus particulièrement mesdames yo. Nous di journée jodi an, l'état prend responsabilité et c'est devoir nous pour nous accompagner tout le monde en général, plus particulièrement mesdames yo. Béatrice Joseph qui te prend la parole dans nom machan victime yo, remercie président République Jovenel Moïse à travers commission interministérielle là pour assistance aux joine après marchandise qui passait en bas flamme du feu dans marché Hippolyte là. Moi accompagner tous les marchands qui victimes dans tout marché qui victimes yo. Et spécialement marché Hippolyte. Moi-même jodi a m'a mandé nous s'il vous plaît, pas prendre bagaille à légèreté pour nous. Nous commençons bien, nous faisons un bon travail. Nous solidaires avec ma chaîne, nous solidaires avec les femmes. Nous connaissons les femmes. Voyons qu'on peut côté les femmes à travailler. Nous-mêmes, les femmes à bouger, nous tous côtés, nous notre napoya. Nous ne escort, nous ne crédit international, pas besoin de nous. Là, nous sommes capables de prêler. Nous devons président Payim, nous devons dire président Payim, sauvez-nous. Nous devons Stéphanie Auguste, lui devons la sauver nous. Machin Sayo fait connaître, malgré qu'on ait perdu dans le marché en faisant, ça peut décourager yo, reprendre l'activité yo, pendant yo placer confiance yo, sur l'autorité concernée yo. Merci Paki ak Moïse. Moment arrivé, amis téléspectateurs, pour nous observer un coup de pause dans le journal là, pas déplacé, n'a pas tourné. Merci pour fidélité ou attention à TNH. Nous tournons avec Rest Nouvelle. Président américain a campé derrière l'idée pour autoriser enseignants pour des armes. Volonté ça, il réitéré dans l'intervention jeudi 22 février 2018. Là. Une volonté communauté éducative là à plusieurs parlementaires dans le Congrès a critiqué. Nous invitons à suivre. Président américain a déclaré qu'il paraît pour rewel législation sous l'âge légal pour mon acheter des armes États-Unis. Hein. Président américain Donald Trump déclaré jeudi 22 février à armé enseignant yo a découragé moun ki gen l'idée vin tirer en dedans au soir sous l'école yo. Président américain fait déclaration ça pendant t'a réaffirmé distance li ak une nan pi gros entreprise d'armes nan NRA. Nan plusieurs tweets, président Donald Trump défend mezi ça, plusieurs élus Congrès démocrate tant que républicain critiqué sans côté opinion publique là. D'après président Trump, l'école sans armes attire méchants côté le promet ka gen possibilité pour même gagner un bonus pour professeur qui accepter porter yon zam dans sa classe. Dans un discours, Wayne Lapierre, dirigeant de l'ISAM, dénonce bon côté pal politisation qui fait moun honte d'après lui suite à fusillade Floride là, côté l'accusé moun k'ap mande législation sur question zam aux États-Unis yo vle éliminer toute liberté individuelle dans Amérique là. C'est là, amis téléspectateurs, nous mettons en bout dans ce petit journal pour jeudi. Merci pour l'attention. Nous te prenons pile plaisir pour nous informer. Restez branchés à la Télévision nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bon week-end. Bye bye tout le monde.